Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annulé son plan de s'adresser aux députés américains pour obtenir une nouvelle aide. Monsieur Zelensky devait participer à une réunion d'information confidentielle mardi, un jour avant que le Sénat des États-Unis ne procède au premier vote de procédure sur un programme d'aide d'urgence. Ce programme d'aide d'urgence comprend plus de 60 milliards de dollars pour Kiev et l'argent est bloqué depuis des semaines en raison d'un différend au sein du Congrès. Et la Maison-Blanche a prévu que les fonds existants seraient épuisés d'ici la fin de l'année. Le Congrès a approuvé environ 113 milliards de dollars pour l'Ukraine depuis le début du conflit Russie-Ukraine en février 2022. C'est effectivement une surprise et une annulation de dernière minute. C'est véritablement une annulation qui a un peu sidéré, il faut le dire, les élus du Sénat qui attendaient cette intervention, qui reste tout à fait floue. Cette explication donnée par Chuck Schumer, le chef de file des démocrates, qui a effectivement informé ses collègues de l'annulation de l'événement sans donner de justification concrète, rappelant simplement que le président Zelensky avait eu une priorité de dernière minute. Vous l'avez dit, le président Zelensky devait s'adresser au Congrès pour redire à quel point l'aide financière et militaire américaine était vitale, non seulement pour l'avenir de l'Ukraine, mais selon lui et selon un sentiment largement partagé par les puissances occidentales, vitale également pour l'équilibre du monde, tout simplement. Ce mardi, la Maison-Blanche avait d'ailleurs, dans un communiqué, rappelé l'importance de poursuivre l'effort financier accordé à Kiev ces dernières années, une tonalité qui vise clairement à dissuader les plus radicaux des républicains, cette fois, de faire barrage à l'enveloppe de 61 milliards de dollars réclamée par Joe Biden et son administration pour l'Ukraine. Encore une fois, nous ne pouvons que spéculer sur le motif réel de l'annulation de cette adresse du président Zelensky à la représentation nationale américaine, mais ce qui semble de plus en plus admis dans l'opinion américaine, c'est que le discours d'appel à l'aide déjà formulé à plusieurs reprises par le président ukrainien subit une forme d'usure ici aux États-Unis, comme si l'Amérique attendait plus de résultats sur le terrain et surtout comme si l'Amérique était vaccinée contre les conflits. Le fameux déserteur chanté par Boris Vian, oui, je ne veux pas la faire, je ne veux pas aller à la guerre. Eh bien, certains qui disent, ben, l'Europe aurait dû aller en guerre, là, maintenant, elle aurait dû aller en guerre. Oui. Et en guerre contre qui? Évidemment contre la Russie. Vu ce qui se passe en ce moment, on voit un peu, on en a parlé hier avec François Martin, et puis plus loin avec Jacques Beau, effectivement, ça se retourne, c'est la Russie qui prend l'avantage de très loin. Eh bien, ça inspire quand même des commentaires tout à fait étonnants, notamment au général Michel Goya, hier sur LCI. Voici ce que disait Michel Goya. C'est très intéressant, écoutez. Et lorsque la paix s'est retirée, lorsque la guerre est apparue, ben on s'est aperçu que les Européens étaient tout lus. Voilà, et que ils n'avaient pas les moyens. On avait été relativement lâches vis-à-vis de la Russie tout au long de la période. Bon, je reprends tous les documents stratégiques français. Oui, qu'est-ce qu'on fait face à la Russie? Dialogue constructif, dialogue critique, mais toujours dialogue. Bon, ok. On s'aperçoit qu'on est nus parce que sans les Américains, sans l'aide américaine, finalement, on fait pas grand-chose et on s'est un peu trop habitué quand même à cette aide américaine. On aurait pu, pour revenir à votre question, si on avait vraiment voulu faire des choses sérieuses, courageuses, on va dire, on aurait pu envoyer des troupes avant la guerre en Ukraine, okay, sur la demande du gouvernement ukrainien. Magnifique. Alors magnifique. Vraiment, un certain nombre de généraux nous étonnent. Et quand je dis étonne, c'est une litote. Donc, selon Michel Goya, il aurait fallu faire la guerre à la Russie. Mais voilà, on est lâche. On aurait dû envoyer des troupes même avant l'invasion de Poutine en 2022. Oui, il fallait se battre. Voilà comment on est. Mais oui, scrogneugneux, battons-nous. Mais oui, la Russie est notre ennemi principal. Allons-y, battons-nous. Voilà, on a été lâche. Voilà, on a été lâche, évidemment. On aurait dû y aller, on aurait dû envoyer des troupes. Alors on dit, voilà, dialogue. Ah oui, en l'occurrence, il fallait pas dialoguer.
quand M. Zelensky est allé avec dialoguer justement avec les Russes en mars 2022, un mois après l'invasion, et qu'il aurait pu avoir un accord, et que les Johnson, sans doute appuyés par les Goya, auraient dit non, battez-vous, on va y aller avec les armes, avec des milliards de dollars, battez-vous, et on voit le résultat. Alors, où en sommes-nous de cette guerre oubliée, oubliée, ou alors volontairement oubliée, volontairement mise de côté? Et d'ailleurs, comment expliquer qu'elle est à ce point disparue des grands titres des médias, alors que pendant un an, elle a alimenté notre quotidien, on était au mètre par mètre de terrain gagné par l'Ukraine tous les jours. Et voilà, plus de son, plus d'images. Samedi 2 décembre, donc samedi dernier, je précise, le chef de l'OTAN, je n'ai sûrement pas bien prononcé son nom, Jens Stoltenberg, a déclaré à la chaîne allemande ARD que les guerres se développent par phases. Nous devons soutenir l'Ukraine dans les bons comme dans les mauvais moments, dit-il. Nous devons également nous préparer à de mauvaises nouvelles, a-t-il ajouté sans précision. Alors pourquoi ces effets d'annonce? Hier, également intéressant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annulé son intervention prévue devant le Congrès américain. Voilà, annulé, il devait intervenir à 15h. Annulation de dernière minute, déclaré le chef démocrate du Sénat américain. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. Et pour finir, intéressant aussi, parce que c'est toujours notre boussole, peut-être à l'envers, mais boussole quand même, LCI, la chaîne qui, vous savez, a annoncé depuis tant de temps la défaite russe à de nombreuses reprises, revient cette fois-ci sur l'Ukraine en échec, c'est même le titre de son émission d'hier. Et comment expliquer les coulisses, comment expliquer cet échec ukrainien? C'était donc le sujet de LCI hier, cette présentation de LCI qui d'un côté nous dit donc qu'il y a bien eu un échec cuisant de la contre-offensive ukrainienne, et de l'autre que s'il y a eu cet échec, c'est peut-être parce que l'Ukraine n'a pas respecté les recommandations américaines. Et ça, c'est un autre sujet évidemment que nous allons aborder. Alors, où en sommes-nous? Et là, en l'occurrence, c'est plutôt la Russie qui a l'avantage. La Russie est à l'offensive. Elle est en passe de reconquérir complètement la ville de Marinka, celle d'Avdivka aussi. Alors, ces deux villes qui disent rien trop aux auditeurs français aujourd'hui, mais ces deux villes qui, c'est un front qui n'avait pratiquement pas bougé depuis 2014, parce que la guerre, faut rappeler, elle n'a pas commencé en 2022, elle a commencé en 2014, en particulier dans le Donbass. Et ces deux villes, dont la reconquête va, entre guillemets, soulager la grosse ville, la capitale du Donbass, qui est Donetsk, puisque c'était de là que partait l'artillerie qui visait régulièrement, qui visait le centre-ville de Donetsk et qui a tué beaucoup de gens. Et puis, il y a une progression aussi du côté de Kupiansk, c'est-à-dire au nord. Et il y a à peu près une stagnation, on dira, au sud. Vous savez, dans la zone de Robotyne, dont on a beaucoup parlé, vous évoquiez LCI qui recrutait mètre par mètre la progression dans les champs de blé des troupes ukrainiennes, champs minés. On s'en était pas rendu compte au début. Et en fait, donc là, actuellement, il y a des menaces. Enfin, si vous voulez, ça pourrait, en effet, s'enfoncer. Les Russes pourraient subitement progresser beaucoup plus pour différentes raisons. Je vais pas les détailler toutes ici, mais l'avantage est aux Russes, évidemment. Et donc, oui, il y a un certain atermoiement et on se demande pourquoi avoir annoncé pendant des mois et des mois, comme vous le disiez, que l'Ukraine allait gagner. Moi, je crois que c'est... Qu'est-ce que ça signifie, finalement, presque, que finalement ce message aujourd'hui soit reconnu? Peut-être qu'il y a derrière une volonté de commencer à prendre ses distances avec l'Ukraine. Alors, tout d'abord, effectivement, on constate que, pas seulement dans le Washington Post, quoi, qui a fait un très grand article sur la question de l'Ukraine, mais aussi dans la presse ukrainienne, on a aujourd'hui Zaloujny, le chef des forces ukrainiennes, qui dit exactement, mais presque mot pour mot, ce que je disais il y a maintenant une année ou plus avec mon ouvrage Opération Z et que j'ai dit dans mon ouvrage Ukraine entre guerre et paix. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que tous les éléments étaient là pour
objectivement. Et d'ailleurs, même dans l'article Washington Post, on dit que les services de renseignement américains avaient finalement la même analyse que moi, alors que ce sont le Pentagone, les militaires, qui avaient une appréciation très optimiste de cette contre-offensive. Donc, il y a une manière d'analyser, si vous voulez, que d'ailleurs, on constate qu'en France, il y a peu d'analyse, même pas du tout d'analyse, à vrai dire. Il n'y a eu aucune analyse. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un aveu d'échec aussi pour nos capacités d'analyse. Et c'est vrai, Régis est parfaitement exact. Il y a actuellement en Ukraine une sorte de... Comment dire, je ne veux pas dire de haine peut-être, c'est peut-être mais disons un ressentiment très profond à l'égard des médias occidentaux et en partie ceux qui ont été les plus virulents, c'est les médias français notamment, qui étaient beaucoup plus virulents que d'autres, pour essayer de faire croire à cette, faire miroiter une victoire dont on savait qu'elle n'aurait pas lieu. Et d'ailleurs, Zelensky l'a dit lui-même, il a dit on a été trompé par nos alliés. Et c'est exactement la situation qu'on a. On la trouve sur le terrain et on la trouve sur le champ politique également. On a actuellement un combat pour le pouvoir qui se déroule en Ukraine. Et c'est un petit peu maintenant, pour les États-Unis, c'est savoir comment tirer les marrons du feu sans se brûler, en quelque sorte. Et ils sont un peu dans la même situation que d'ailleurs sur le théâtre moyen-oriental, où ils constatent qu'ils ont totalement perdu la maîtrise à la fois du narratif et du déroulement des opérations. Et puis il s'agit maintenant, eh bien, simplement de voir comment on peut s'en sortir dans une campagne présidentielle sans trop montrer qu'on s'est planté littéralement depuis le début. La conduite des opérations est une conduite plus politique que militaire. Et c'est la raison pour laquelle, depuis la fin de l'année passée, on a une opposition constante, que j'ai d'ailleurs évoquée dans mes livres, entre Zaloujny et son état-major, et Zelensky et d'autres généraux comme Sirski, etc., qui avaient des visions un peu différentes. Et la conduite des opérations, c'est en fait construite sur le narratif proposé par Zelensky. Sur ce point très important, justement, de gaspillage des forces ukrainiennes, ça a été considérable. Je pense que l'histoire retiendra que Bakhmout a été vraiment peut-être un point de bascule de cette guerre. Pourquoi ? Parce que Bakhmout, les Américains avaient recommandé aux Ukrainiens de ne pas s'y cramponner. Zaloujny avait donné des signes sans être totalement explicite, justement, comme quoi il ne souhaitait pas non plus s'accrocher à cette ville. Et c'est le général Sirski, plus allié de Zelensky, qui a dit, et Zelensky évidemment, nous ne quitterons pas Bakhmout, nous allons nous accrocher et nous allons vaincre. En fait, en réalité, ce sont les bonnes troupes ukrainiennes qui ont été usées sur Bakhmout pour un aspect stratégique qui a été, une erreur stratégique qui a été faite par Zelensky. Donc Zaloujny avait recommandé de ne pas n'était pas d'accord, et puis pour ce qui a été de la contre-offensive, c'était du suicide. Jacques Beau, sur le fait que les Ukrainiens n'ont pas suivi les recommandations, d'un autre côté, on sait, on se rappelle, et vous nous avez rappelé déjà à plusieurs reprises que au départ, même Zelensky était prêt à négocier, et que finalement c'est les Occidentaux, et notamment les Américains, qui ont forcé à continuer ce conflit et à ne surtout pas commencer les négociations avec la Russie. Donc, qui a tordu le bras de qui ? Non, alors, il est très clair qu'en mars 2022, lorsque Zelensky a fait ses propositions à la Russie et que la Russie était prête à engager des négociations sur la base de ses propositions, qui étaient le retrait des forces russes d'Ukraine, un statut à négocier entre la Crimée et les deux républiques du Donbass, et surtout la promesse de l'Ukraine de ne pas entrer dans l'Alliance Atlantique, en échange de garanties de sécurité. Donc, ce qu'il y a, c'est que Zelensky a échangé, en fait, cette proposition et cette perspective de paix contre
un soutien jusqu'à nécessaire par les Occidentaux. Et ce soutien qui devait être illimité par les Occidentaux, il n'a pas été illimité. Oui. Les bombardements russes ont fait un mort et un blessé ce mardi à Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Selon Roman Mrochko, chef de l'administration militaire locale, la victime est un homme de 64 ans qui vivait dans la ville voisine d'Antonivka. Les frappes russes ont également endommagé deux maisons et un gazoduc. Le président ukrainien a condamné ces attaques dans son allocution quotidienne. Occupée par Moscou pendant 9 mois l'année dernière, la ville de Kherson est désormais soumise à des bombardements réguliers de l'armée russe qui s'est repliée sur l'autre rive du Dniepr, juste en face. C'est qu'on constate que les Américains auraient voulu que les Ukrainiens attaquent beaucoup plus tôt au mois de juin. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, au moment où on a des documents qui ont fuité en avril de cette année, il était prévu que la contre-offensive débute en avril déjà. Oui. Et l'idée qu'avaient les Américains, c'était qu'il fallait attaquer avant que les Russes finissent ou étoffent, si vous voulez, ou durcissent leur ligne de défense. Mmh. Et donc, il fallait attaquer le plus rapidement possible. Le problème des Ukrainiens, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord d'attaquer, mais ils disaient, mais il nous faut le matériel avant. On ne peut pas attaquer sans char, on ne peut pas attaquer sans avion, on ne peut pas attaquer, etc., etc. Ça s'entend. Or, le matériel occidental, il est arrivé au compte-gouttes. Les Occidentaux n'ont pas respecté leurs paroles. On prétend qu'on a fait, et je ne doute pas qu'il y ait eu des efforts financiers considérables effectués, mais ils n'étaient pas en relation avec ce qu'il fallait. Mmh. Aujourd'hui, vous avez, dans les médias ukrainiens, vous avez Zaloujny qui revient, qui dit maintenant il nous faut 17 millions d'obus. 17 millions d'obus. Je vous rappelle que la France, au début de cette année, a fait un geste absolument extraordinaire en doublant sa capacité d'obus pour l'Ukraine et passé de 1000 par mois à 2000 par mois. Et il demande du matériel pour entre 350 et 400 milliards de dollars. Oui, non mais oui. Donc on est aujourd'hui dans une situation telle, on s'aperçoit que l'aide qu'on a fournie, qui ne correspond qu'à une fraction de ce que demande aujourd'hui Zaloujny, était de loin pas suffisante pour faire ce qu'on attendait d'eux. Que l'Occident leur a donné suffisamment pour ne pas mourir, mais pas suffisamment pour pouvoir gagner. C'est terrible, c'est encore pire en termes de pertes humaines. Oui, et en plus, surtout, et c'est ça, moi, c'est, vous savez, il y a un an, quand j'ai écrit, enfin il y a moins d'un an, en février, quand j'ai écrit mon livre et que j'ai intitulé « Jusqu'au dernier Ukrainien », les gens me disaient « Oh, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cette phrase ?» C'était la phrase de Lindsey Graham qui avait dit « Avec les armes américaines et avec notre argent, ils se battront jusqu'au dernier Ukrainien. » Mais l'Amérique a véritablement misé sur l'Ukraine pour que l'Ukraine affaiblisse la Russie de façon absolument cynique. La vie des Ukrainiens, la société des Ukrainiens s'en fout complètement. C'était un retour sur investissement. Alors que la neige recouvre une grande partie de la région nord de Tchernigiv de son blanc manteau, des militaires ukrainiens vêtus de tenues de camouflage de saison sont mis à l'épreuve. Ils apprennent à identifier et repousser les saboteurs russes, une menace à laquelle Tchernigiv, tout comme la région voisine de Soumy, est souvent confrontée. И вважаю, що для кожного чоловіка здравого, нормального чоловіка, що якщо він даже там переживає в чому-то, боїться, йому стоїть прийти і даже на цих навчаннях відпрацювати це все. Тобто воно закаляє. L'association danoise Défense Ukraine a collecté de l'argent et acheté des vêtements d'hiver professionnels qui seront remis aux soldats ukrainiens. Le major Odin connaît l'importance de porter des uniformes adaptés au terrain. Звичайно, що потрібно, тому що це бойові дії. Десь забіжиш на штурмі, десь в атаку зацепив, порвав, розірвав, впав в болото. Ну, тобто там не перебираєш, не вибираєш місце, де присісти, де лягти. Тобто лягаєш куди-небудь, весь в болоті. Le village de Blagodatsne, dans la région de Mykolaïv, au nord-ouest de Kherson, a presque été rasé par les combats. Parfois aidé par des amis, Victor tente de remettre sa maison debout. Il faut reconstruire et vite. L'hiver frappera bientôt aux portes des habitations en ruine. On est parti sur l'idée que la Russie était faible. Or, la Russie n'était pas faible. Or, moi, je ne pense pas qu'elle soit en économie de guerre aujourd'hui. Parce qu'une économie de guerre, ça n'est pas exactement ça, à mon avis. Ça serait vraiment qu'on sacrifie tout à la production
de militaires. Or, ça n'est pas le cas. Oui. On sacrifie. Oui. Il y a une économie qui, il y a un pan de l'économie qui s'est développé sans que le reste de l'économie se soit affaibli. Oui, je fais une parenthèse contraire. Parce qu'on a ces dernières actualités, mais par exemple le JO des BRICS qui va être organisé par la Russie, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout que concentrés sur les questions militaires. Ça demande quand même tout à fait. Donc une économie de guerre, pour moi, c'est lorsque vous sacrifiez une partie de vos ressources pour faire la guerre. Or, ça n'est pas le cas, au contraire. Et selon l'Institut royal d'études stratégiques de Londres, ils auraient, l'année passée, utilisé près de 12 millions d'obus. Donc, on voit bien que la Russie est très loin d'être affaiblie, qu'elle a un matériel. Ça a toujours été, disons, l'idée, le fait qu'on puisse penser que la Russie puisse s'affaiblir, c'est une incroyable incompréhension de l'histoire et des capacités, surtout des ressources qui sont presque illimitées de la Russie, y compris de la population qui reste, malgré tout, même si tous n'étaient pas favorable à cette opération au début de la comment de l'opération, eh bien ils se sont tous rangés derrière Vladimir Poutine. On voit que la population russe s'est rangée derrière le gouvernement. Donc il y a vraiment tout ce qu'on a pu imaginer sur l'évolution de la Russie était totalement faux. Je voudrais quand même qu'on tire le bilan désormais de ce conflit. Aujourd'hui, où en sommes-nous? On a commencé à dresser un peu les lignes, mais finalement, on a l'impression que les États-Unis vont se retirer discrètement tout en expliquant que les Ukrainiens avaient tort, qu'ils n'ont pas suivi leur stratégie. C'est-à-dire que, vous savez, au départ, l'idée était de faire provoquer l'effondrement de la Russie. Et c'est un peu la raison pour laquelle les Ukrainiens ont joué le jeu de cette guerre au début. Parce que on savait bien, de toute façon, que l'Ukraine, toute puissante qu'elle ait pu être, n'était pas de taille. Aucun pays européen n'est d'ailleurs de taille à lutter contre la Russie. Peut-être un ensemble de pays, mais pas un pays unique. Et par conséquent, on savait que ça tiendrait pas. La seule raison pour laquelle on pensait que l'Ukraine pourrait avoir du succès, c'était à cause des sanctions. C'est la raison pour laquelle il y a eu ces sanctions massives qui devaient faire s'effondrer l'économie russe et qui devaient provoquer finalement l'arrêt de la guerre. On a toujours dit qu'il faut des sanctions pour empêcher Poutine de financer sa guerre. C'est un peu la mécanique qui avait été développée et qui n'a pas fonctionné. Donc, on sait pratiquement depuis mai-juin de l'année passée que ça ne fonctionnera pas. Donc aujourd'hui, on est en train de réparer plus ou moins les pots cassés. Il y avait cet espoir de contre-offensive pour essayer de couper en deux le dispositif russe et ainsi avoir une sorte de succès et qui aurait permis à l'Ukraine d'entrer dans des négociations et puis d'avoir quelque chose à négocier. Parce que aujourd'hui, l'Ukraine a refusé. Parce que Zelensky a refusé de s'engager dans la proposition qu'il avait faite lui-même en mars de l'année passée. Donc aujourd'hui, il est très mal placé pour revenir avec les mêmes exigences. Les Russes vont lui dire « Mais vous nous aviez déjà proposé ça, on était d'accord d'entrer en négociation, c'est vous-même qui avez refusé. Ouais, » Donc aujourd'hui, c'est plus vous qui avez le couteau par le manche, c'est nous. Donc s'il y a une négociation aujourd'hui, il est clair qu'elle viendra, elle devra se faire selon les termes de la Russie. Avec 77 milliards d'euros depuis février 2022, l'UE est la deuxième pourvoyeuse d'aide à Kiev. Sauf que le sujet divise. Ainsi, si le futur gouvernement polonais de Donald Tusk entend continuer d'aider les Ukrainiens, en Slovaquie, l'eurosceptique Fico est contre, tout comme le Hongrois Orban, l'ami de Vladimir Poutine. L'aide à Kiev, sans doute un sujet pour les élections européennes de juin prochain. C'est destructeur, Jean-Louis Zembert, vous commencez très fort, c'est évidemment, on a bien compris, The United States of America. Mais moi je voudrais revenir à cet empire de la mort, parce que vous n'épargnez pas vraiment, alors les États-Unis, vous dites l'empire de la mort. C'est-à-dire, oui. En fait, Washington veut quoi? Veut l'impérium total, veut la domination totale, veut... Il exerce? Oui, complètement. Quand j'ai travaillé sur cette enquête, alors il y avait déjà des aspects que je connaissais, mais ce qui est frappant quand on lit des documents des cercles, des milieux impérialistes aux États-Unis, comme le projet pour le nouveau cercle américain, que l'on voit les écrits de ces gens-là, le monde, les États-Unis ne peuvent pas exister sans la suprématie des États-Unis.
Vous voulez dire pour ces cercles-là, là ? Pour ces cercles-là. C'est actuellement, au sein du pouvoir américain, les cercles qui sont dominants. Un peu les néoconservateurs, enfin appelons-les pour caricaturer, mais, c'est schématisé. Alors, mais, bon, oui. Mais on retrouve justement le même schéma aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, mm-hmm. comme partout un peu à travers le monde. C'est-à-dire que c'est John Perkins, qui est un assassin économique, on en parlera, appelle ça la corporatocratie, c'est-à-dire que des gens se retrouvent entre eux dans des cercles qui sont souvent informels, des représentants de grandes banques, des représentants de grandes sociétés transnationales, principalement des milieux financiers, et de l'appareil d'État et des services de renseignement, notamment, et de l'armée. Et ces gens-là agissent, leur seule préoccupation, c'est de s'accaparer les richesses du monde. Alors, se les accaparer, quand je parle des richesses du monde, ça peut être le pétrole de l'Irak, le pétrole de la Libye, ça peut être des minerais précieux en Afrique, ça peut être des richesses... Les terres rares du Congo ou autre. Voilà, exactement. Ou des richesses archéologiques, comme ils l'ont fait en Afghanistan, par exemple. Mmh. Mais ça peut être aussi une entreprise comme Alstom, qui est une entreprise stratégique, qui a un savoir-faire très développé. Mmh. Et ça va intéresser, donc, une grande société transnationale, en l'espèce, à l'époque, General Electric. Et là, tu vas retrouver, aussi bien en Europe que comme tu l'as aux États-Unis, des cercles, ce que j'appelle des couveuses un peu, mmh. où se retrouvent à la fois les représentants de ces grandes sociétés transnationales, de ces grandes banques, avec des hauts fonctionnaires, et dont l'objectif est de détecter des personnes qui peuvent servir leurs intérêts plus tard, et quand ils ont trouvé un candidat qui leur convient, eh bien de le mettre en confiance, c'est-à-dire de faire rencontrer aux États-Unis... Pensez aux Global Young Leaders, par exemple. Par exemple, French American Foundation, mais il y en a un tas d'autres. Voilà. Alors, Perkins, c'était un économiste de haut niveau. Il a été recruté par le groupe Betchell en 1971. Et il a eu affaire donc à l'intérieur de l'entreprise à une supérieure qui était une correspondante de la NSA. Et Perkins donc se travaillait principalement sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. D'accord. Et l'un de ses objectifs, c'était d'endetter des États pour après positionner. Alors quand l'État était bien endetté ou même surendetté. Mmh. Le principe, c'était de dire « Ah, mais nous pouvons vous aider ». Et après, tu avais soit des grandes sociétés financières, soit des sociétés transnationales états-uniennes qui arrivent pour proposer, bien sûr, leurs services. C'est ça. Mais c'est ce que l'on voit, du reste, avec la guerre en Ukraine. Tout a été détruit, et maintenant, le PDG, du fonds d'investissement BlackRock. Se présente pour dire, mais nous pouvons... Ah bon, vous pouvez pas nous rembourser la dette, vous pouvez pas rembourser l'argent qu'on vous a prêté. Alors, il faut que vous privatisiez. Nous, il y a telle entreprise qui nous intéresse. Dans le domaine des télécommunications, on a cette entreprise qui peut... moderniser, reconstruire. Voilà comment ça se passe. Nous sommes vos sauveurs. Voilà. Et nous allons vous fournir tous les moyens. D'ailleurs, BlackRock, c'est pas seulement ça. Ils ont acheté presque la moitié des terres ukrainiennes. Tout à fait. Savoir, hein. Monsanto aussi. Voilà. Il y a Monsanto, Cargill, Dupont de Nemours, que l'on retrouve. Donc l'idée, c'est on vous met à poil. Pour être vulgaire, un peu trivial, et puis, mais en revanche, on va vous habiller, mais avec nos vêtements made in USA. C'est ça. Ailleurs, d'ailleurs. Oui. En fait, les destructeurs, l'Amérique, superpuissance, à tout seigneur, tout honneur, on ne prête qu'aux riches, même on ne donne qu'aux riches, mais l'Europe, quand même, comment il se fait, et vous en parlez assez longuement dans votre livre, Jean-Louis Zambert, comment il se fait que l'Europe... Alors évidemment, il y a eu le plan Marshall... Ce qu'ont voulu les États-Unis dès le départ, déjà, ils ont voulu enfermer les pays du versant... le versant ouest du continent européen sous leur hégémonie. Donc ils ont carrément... Mais ça a été très loin, puisque le 6 juin 1944, quant à le débarquement, ils débarquent une monnaie qui est déjà imprimée aux États-Unis et qui doit être diffusée sur la France.
et même sur d'autres une pays. Monnaie, ah oui, une monnaie spéciale. Une monnaie spéciale, ouais. Et qui sera, et ils veulent essayer d'imposer ce système, y compris au Danemark et en Italie. L'Italie va l'accepter, le Danemark et la France la refuseront. Heureusement, la France la refusera parce que le général de Gaulle s'y est opposé en disant qu'est-ce que c'est, cette monnaie, nous ne la reconnaissons pas, elle est imprimée aux États-Unis et nous ne l'acceptons pas. Et dans le même temps, ils voulaient mettre en place un gouvernement, alors qui était un peu un gouvernement administratif, qui était dirigé par des militaires qui avaient été formés aux affaires civiles, notamment à l'université d'Yale aux États-Unis, de manière à prendre en main l'économie de la France. Parce que la France et l'Allemagne étaient pour eux les deux premières puissances à neutraliser, si je puis dire. Alors, c'est intéressant du reste, parce que quand tu regardes en France des gens qui sont présentés comme de grands démocrates, comme des pères fondateurs de l'Union européenne, tu t'aperçois que le parcours de ces gens-là est partagé entre la collaboration avec les services US, la collaboration avec Vichy, et même... Vous parlez de Spaak, de... De Jean Monnet, de Schuman, ouais. De Pinet même. Donc les États-Unis ont été confrontés à un bloc à la libération. C'était le fait que la politique du général de Gaulle était une politique qui voulait assurer la souveraineté politique, économique et financière et militaire de la France, et qu'il a bénéficié sur ces points-là du soutien à l'époque du Parti communiste qui était très influent. Le Kremlin indique que le président russe Vladimir Poutine se rendra ce mercredi en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Il précise que M. Poutine discutera du commerce, de la politique internationale et de l'aide humanitaire avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. M. Poutine rencontrera également son homologue des Émirats Arabes Unis pour des discussions sur le commerce, l'énergie, le tourisme et l'éducation. Le conflit entre Israël et le Hamas est à l'ordre du jour de ces deux rencontres. M. Poutine a manqué plusieurs rencontres de haut niveau à l'étranger depuis le lancement par Moscou des opérations militaires spéciales dans l'est de l'Ukraine en février 2022. Et trois événements majeurs pour Vladimir Poutine. Le président russe est en déplacement, mais pas à l'intérieur de son pays. Il est bien à l'étranger et pas dans n'importe quel pays. Il en visite deux aujourd'hui. Les Émirats Arabes Unis pour commencer et l'Arabie Saoudite. Et demain, sachez qu'il recevra le président iranien à Moscou. On est en direct avec Vera Grandseva. Bonjour à vous. Merci d'être en direct sur LCI ce matin. Politologue, spécialiste de la Russie, enseignante à Sciences Po Paris. Est-ce qu'on est en train d'assister à un retour de Poutine sur le plan, au premier plan de la scène internationale aujourd'hui? Oui, exactement. On voit qu'il y a un besoin pour le Kremlin pour se réaffirmer. Une image à vous montrer. Regardez, il y a un peu plus de 6 mois, c'est Volodymyr Zelensky qui rencontrait le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman. C'était à Jeddah, dans le cadre du sommet de la Ligue arabe. François, elle joue sur les deux tableaux, l'Arabie saoudite? Oui. On peut dire ça? Oui. Elle est aujourd'hui totalement désinhibée dans son rapport avec les États-Unis, parce que ça fait, depuis que les États-Unis ont acquis une forme d'indépendance énergétique, ils n'ont plus autant besoin de l'Arabie saoudite et de son poids pétrolier. Signé un accord pour contrer les sanctions unilatérales imposées par les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé l'accord mardi à Moscou avant la visite prévue du président iranien Saïd Ebrahim Raisi en Russie jeudi. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a déclaré que cet accord constituait une étape importante visant à renforcer la coordination des efforts déployés par les pays du monde pour surmonter les sanctions illégales. Il a également accusé Washington et ses alliés de faire des sanctions un substitut à la diplomatie. L'attaque du Hamas contre Israël a eu un impact sur la guerre en Ukraine. Elle a détourné l'attention de l'opinion publique mondiale et amené Washington à soutenir plus que jamais son allié israélien. Avec notamment une forte présence navale américaine.
un destroyer déployé en mer Rouge et deux porte-avions, l'un dans le golfe Persique, l'autre en Méditerranée orientale. L'armée israélienne est entrée mardi dans Khan Younes, la deuxième ville de Gaza. Israël poursuit l'intensification de ses bombardements et l'expansion de ses opérations militaires dans le sud de l'enclave palestinienne mercredi. L'intensification des combats contre le Hamas a incité l'ONU à mettre en garde lundi contre un scénario encore plus infernal. Les civils palestiniens sont en effet repoussés dans une zone toujours plus réduite du territoire assiégé. Parfois déjà déplacés, les Gazaouis évacuent Khan Younes direction Rafah alors que les troupes israéliennes entrent dans la ville. Les bombardements israéliens continus, qui cibleraient des localisations du Hamas, ont fait de nombreuses victimes. Plus de 16 200 Palestiniens ont été tués et plus de 42 000 blessés depuis le début de l'offensive israélienne, a affirmé le Hamas mardi. L'attaque du 7 octobre de commandos du mouvement islamiste avait fait plus de 1 200 morts côté israélien. Les otages récemment libérés et les proches d'Israéliens toujours détenus par le Hamas à Gaza auraient confronté Benjamin Netanyahou lors d'une réunion houleuse. Certains participants auraient même appelé le premier ministre israélien à démissionner. Les familles veulent s'assurer que le chef du gouvernement a bien le sort de leurs proches à l'esprit, alors qu'Israël entame déjà la prochaine étape sanglante de sa guerre contre le Hamas. Un commandant de l'armée israélienne déclare que ses troupes ont mené la journée de combat la plus intense à Gaza depuis le 7 octobre. Et le plus proche allié d'Israël, les États-Unis, a déclaré que l'offensive israélienne dans le sud de Gaza ne devrait pas répéter le bilan des victimes civiles en masse qu'elle avait eu dans le nord. Mais les habitants et les journalistes sur le terrain confirment qu'il y a eu des frappes aériennes intenses israéliennes dans le sud. L'activité de Tsahal dans le sud de la bande de Gaza pourrait durer jusqu'au mois de janvier. Des responsables américains ont déclaré à CNN qu'Israël pourrait passer d'ici là à une stratégie plus ciblée pour éliminer précisément des dirigeants et des terroristes du Hamas. Alors qu'Israël poursuit son opération dans le sud de la bande de Gaza, il serait loin d'avoir atteint son objectif militaire, la destruction totale du Hamas. Même si de nombreux terroristes ont été tués, les forces terrestres n'ont pas encore pénétré dans certains des principaux bastions du groupe terroriste. La Maison-Blanche semble préoccupée par la façon dont les opérations se dérouleront ces prochaines semaines. Elle a averti Israël que Tsahal ne peut pas reproduire les méthodes utilisées dans le nord de la bande de Gaza et doit tout faire pour limiter les pertes civiles. Des conversations dures et directes selon Washington. Par ailleurs, face aux critiques virulentes de la communauté internationale, Israël disposerait de peu de temps pour poursuivre son opération sous sa forme actuelle, tout en conservant un soutien international significatif. Les responsables américains ont insisté sur le fait que l'opération terrestre aurait eu une portée bien plus large sans les avertissements des États-Unis. Le plan initial d'Israël impliquait une opération terrestre, aérienne et maritime immédiate à grande échelle, impliquant des centaines de milliers de soldats israéliens. Hein ? Et pas par rapport à cela, la prétendue communauté internationale, qui est un mythe, évidemment, hein, eh bien, est complètement silencieuse. On se demande pourquoi il n'y a pas une résolution de l'ONU qui est prise et qui effectivement enjoindrait à Israël d'arrêter son entreprise génocidaire. Voilà, en tout cas, le monde entier assiste à un génocide en acte et se tait. La France est en guerre. La France est clairement en guerre aux côtés de l'entité sioniste. Et c'est ce qui est absolument scandaleux. Pour la première fois, rompant avec toute une tradition, la France est clairement en guerre aujourd'hui. Alors les médias, évidemment, même si le gouvernement français l'exécutif s'est en fait un peu tapé sur les doigts par des diplomates français, par le Quai d'Orsay, etc., a dû revoir un petit peu sa copie. Incarné, bien entendu, par le président français Emmanuel Macron, qui a dit le 24 octobre dernier, la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh puisse lutter aussi contre le Hamas. Vous noterez qu'il met ici le Hamas et Daesh sur le même niveau. Et puis, il y a un petit changement le 2 décembre, où il dit, il y a une sorte de revirement. En tout cas, chacun ira de son commentaire. En tout cas, il est dit...
signé Emmanuel Macron, bien entendu, la destruction totale du Hamas. Est-ce que quelqu'un pense que c'est possible, puisque ça pourrait permettre un enclenchement d'une guerre de 10 ans? On parle en France même d'une diplomatie d'amateurs antinomique avec l'histoire diplomatique de la France, c'est-à-dire qu'il y a une culture. Est-ce que ce soutien indéfectible au sionisme au détriment des fondamentaux français, Youssef Ousmane, ne peut pas mettre en péril, d'une certaine manière, cette même France, c'est-à-dire cette culture française? Bien évidemment, c'est une catastrophe, c'est un effondrement total. Et j'en veux pour preuve même des déclarations de M. de Villepin, qui est une des rares voix un petit peu sage. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Et bonjour notamment aux Sylvie. Aux Sylvie. Nous célébrons ces derniers jours, Vincent, surtout en Afrique du Sud, bien sûr, le 10e anniversaire de la mort de Nelson Mandela. Et figurez-vous qu'en commémoration, ils étaient présents, des représentants du Hamas ont été mis à l'honneur. Oui, alors on va s'épargner ce matin la moraline habituelle quand on parle de l'Afrique du Sud. Vous savez, cette désillusion des journalistes qui ont cru qu'il suffisait de chasser les Blancs du pouvoir pour que les lendemains chantent. 30 ans après, l'Afrique du Sud reste un pays profondément inégalitaire. Il bat même le record en la matière d'après la Banque mondiale. 32% de la population active est au chômage. C'est un record même en Afrique. Il est aussi champion du monde pour la violence. En moyenne, un meurtre toutes les 20 minutes et 500 braquages par jour. C'est un coupe-gorge. La nation arc-en-ciel offre la palette infinie de toutes les couleurs du crime. Alors, 30 ans après les premières élections démocratiques, c'est l'ANC qui est toujours au pouvoir. Et ceci explique cela. On ne peut pas dire que le parti de Mandiba soit corrompu, c'est pire. Il est gangréné par les organisations mafieuses et il a carrément pillé le pays. S'il y a 12 à 16 heures de coupure de courant par jour, c'est parce que l'État était seul actionnaire de la Compagnie Nationale d'Électricité et que les ministres ont détourné le budget des centrales qui n'ont jamais été construites. Ils ont fait la même chose avec les routes, avec l'eau, avec les écoles, avec le train, les hôpitaux, etc. La nuit, les vautours cesse de voler au-dessus du Kalahari, pas l'ANC. On verra au printemps prochain si le parti conserve la majorité absolue qui lui assure l'impunité. Dans les sondages, il l'a perdu, mais à toutes les critiques, il oppose un argument imparable. Il est le parti de Nelson Mandela, le parti de la lutte contre l'apartheid. Et c'est vrai que le prestige de Nelson Mandela demeure intact. Hein. Alors c'est une vedette mondiale, une icône. En France, il y a partout des lycées Nelson Mandela. En Afrique du Sud, l'image sainte est sur tous les billets de banque. Le portrait de Mandela s'étale sur d'immenses fresques. Et il a autant de statues que Lénine en Union soviétique. La question est de savoir pourquoi on respecte Mandiba. Parce qu'il a gagné la lutte contre l'apartheid, bien sûr. Mais est-ce le Mandela qui a fondé la branche armée de l'ANC et enduré la prison pendant 27 ans, ou celui qui est revenu à la non-violence et qui a prôné la réconciliation et le partage du pouvoir à sa libération? Le compagnon de route des communistes, pris Kadhafi des droits de l'homme, ou le premier président démocratiquement élu d'Afrique du Sud? La question n'est pas indifférente quand on fait l'inventaire de l'héritage. Et ça explique aussi pourquoi Gaza a été hier au centre de l'anniversaire. L'ANC se prétend le champion de la lutte anticoloniale, donc de la cause palestinienne. Le président sud-africain a organisé un sommet des BRICS pour accuser Israël de crimes contre l'humanité et il vient de réclamer une enquête de la Cour pénale internationale. Le petit-fils de Mandela, qui est député de l'ANC, renchérit en dénonçant un génocide. Il a invité un ancien ministre du Hamas et le représentant du Hamas en Iran, rien que ça, pour participer hier à ses côtés aux cérémonies au pied de la statue de 9 mètres de haut de Mandela à Pretoria. La lutte anticoloniale a bon dos. Mais Mandela, l'ancien prisonnier de Robben Island, est dans sa tombe, comme dans sa légende, plus près des juifs enfermés dans les caves de Gaza que de leurs geôliers, les terroristes islamistes qui les ont enterrés vivants. Kigali ont signé un nouveau traité pour expulser vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Mi-novembre, la Cour suprême britannique avait rejeté une précédente version de l'accord. Selon le ministre britannique de l'Intérieur, James Cleverly, le nouvel accord garantit que le Rwanda n'expulsera pas vers un autre pays les personnes transférées dans le cadre du partenariat.
Selon lui, cette nouvelle clause répond aux préoccupations de la Cour suprême. Près de 30 000 personnes sont arrivées illégalement au Royaume-Uni depuis le début de l'année. Des clôtures et des murs poussent en Europe centrale. La Slovénie craint de devenir une sorte d'impasse pour les réfugiés, ses voisins, l'Autriche, la Hongrie et l'Italie, ayant réintroduit les contrôles aux frontières. La rhétorique mettant en garde les Slovènes contre le flux migratoire est forte. L'ancien Premier ministre conservateur Janez Janša demande aux Slovènes de défendre leur pays, inacceptable pour de nombreux intellectuels. Ta izjava je skandalozna, kaže on je kao duhovit, jel to je ono čivija, jel oružajte se, ali legalno. Šta znači legalno? Potpuno je svejedno ako se naoružavate, potpuno je svejedno da li ilegalno ili legalno, jel? La Slovénie est également le pays qui a enregistré trois fois plus d'entrées illégales de migrants par rapport à l'année dernière. Et selon l'ancien dirigeant, les forces de sécurité fragilisées ne seraient pas en mesure pour le moment de défendre leurs propres citoyens. L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a présenté ses excuses mercredi aux familles des victimes du Covid-19. Il est auditionné durant deux jours dans le cadre de l'enquête publique sur la réponse du pays à la pandémie. Boris Johnson a démissionné de son poste de Premier ministre en septembre 2022 à la suite de révélations sur des fêtes illégales organisées à sa résidence de Downing Street durant le confinement. L'ancien chef du gouvernement a accepté de tenir une enquête publique après de fortes pressions de la part des familles endeuillées. Le coronavirus a tué plus de 232 000 personnes au Royaume-Uni. Cette semaine, nous avons une réponse à une question d'un collègue député européen, Ivan Sincic, même si c'est une question récurrente, c'est-à-dire on demande à la Commission s'il y a un suivi par rapport aux effets secondaires. Et donc sa réponse est assez intéressante, déconcertante, ça on le savait, parce qu'elle nous donne plusieurs éléments. Et c'est très important parce qu'ils veulent essayer de noyer le poisson en disant que finalement, il y a eu plus de vies de sauvées que de morts, mais quand même, il nous lâche un chiffre. À peu près 12 000 morts ont été relevés, des cas spontanés d'issue fatale. Alors, ils nous disent tout de suite, attention, prendre avec précaution ces chiffres. Mais quand même, un autre paragraphe ultra intéressant, c'est qu'ils disent, attention, dans des cas très exceptionnels, des cas ont été morts, vraiment ont été liés et rapportés à cause du vaccin, et c'est tous les cas de thrombose. Et on voit qu'aux dernières statistiques, donc octobre 2023, avec le premier vaccin, donc le Comirnaty, il y a 110 morts reconnus. Donc c'est quand même, c'est pas rien 110 morts. Hein. Moi j'estime que tout ce qui est mis sur le marché devrait ne produire aucun effet secondaire, et encore moins des issues fatales. La Commission a demandé au laboratoire Pfizer, suite aux statistiques et l'évaluation d'experts, de modifier les caractéristiques du produit, donc du vaccin. Parce qu'ils ont estimé qu'il y avait des effets secondaires qui devaient être précisés dans leur propre notice. Alors ça, regardez, hein, donc ça, c'est un résumé des caractéristiques du produit. Résumé, hein.